À l'occasion de la sortie de son film Les Secrets de la Princesse de Cadignan, Ariel Dombal s'est confiée sur les raisons qui l'ont poussée à ne jamais être maman. À 70 ans, Ariel Dombal continue de faire rire les auditeurs de RTL en participant régulièrement aux grosses têtes de Laurent Ruquier. Mais la compagne de Bernard-Henri Lévy depuis le début des années 90 est aussi à l'affiche dès le 13 septembre du film Les Secrets de la Princesse de Cadignan, qu'elle a également réalisé. Un récit féministe de Balzac à l'origine, à qui elle rend hommage dans Marie-France, avant Flaubert et le Bovarisme, avant Freud et la psychanalyse, avant hashtag MeToo et la libération de la parole, il a brossé le portrait de femme dévouée, sacrifiée, malheureuse, mélancolique. Qui ont osé sortir du rang, vivre l'audace et le danger de l'aventure amoureuse et en payer le prix. Je n'aille jamais désiré être mère, Ariel Dombal s'exprime sur l'absence d'enfant dans son couple. Son rôle de réalisatrice, elle le prend très au sérieux, si est-il ambitieux d'incarner et de diriger à la fois. J'ai toujours su que je serais une créatrice et pas une procréatrice. En effet, Ariel Dombal n'a jamais eu d'enfant, un choix qu'elle assume et qu'elle ne regrette pas, je n'aille jamais désiré être mère. Y est-il un luxe immense qui confère force, originalité et liberté. Mais prive de l'harmonie, de l'enveloppement de la famille. La comédienne, chanteuse, et désormais réalisatrice, se dit consciente d'être une privilégiée, je suis néanmoins dans le questionnement permanent sur le sens à donner à mon existence. Cela engendre une pression, une exigence. En m'astreignant à des années de danse, de musique, d'opéra, je me suis donné les armes de ma liberté. Aux côtés de son mari philosophe, qui a signé récemment un documentaire sur l'Ukraine en temps de guerre pour Canal+, la facétieuse Ariel révèle s'être donné les armes de sa liberté. J'ai voulu, de toutes mes forces, exister comme je l'entendais. Je n'aille jamais imaginé qu'une progéniture accomplirait mon destin. Ariel Dombal sur Bernard-Henri Lévy, celui qui me fait me sentir unique d'une certaine manière, cette liberté, elle l'a trouvée auprès de son compagnon très médiatique. Avec lui, si est-il amour fou, j'ai la chance d'avoir trouvé celui, remarquable et vulnérable, qui répond à mes rêves, celui qui me fait me sentir unique, irremplaçable. Ariel Dombal voit cet état de fait comme une sorte de miracle. Et qu'importe si, selon elle, celui que vous chérissez peut parfois s'avérer dangereux et vous entraîner dans des abîmes douloureux, je préfère cela à la sentimentalité tiède. Si est-il dit.